Voici Bob le pirate, hip 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 hourra. C'est ton grand camarade qui va vers toi. Sur son vaisseau vacillant, il navigue par tous les temps. Voici Pat le pirate. Voici Pat le pirate. Moussaillon. Ce jour-là, Pat le pirate quittait le vaisseau vacillant. Mais pas pour toujours, juste pour la journée. Moussaillon, j'ai une course de la plus haute importance à faire. Je ne serai de retour que ce soir, et c'est seulement là que je vous dirai de quelle course importante il s'agissait. Et alors à ce soir... Ohé, Moussaillon ! Ohé, Moussaillon ! Un quart d'heure après le départ de Pat le pirate, Bruno Lapanade eut une brillante idée. Nom d'un porridge bourré de piment. Compagnon, Bruno vient d'avoir une excellente idée. Ah, vas-y, on t'écoute. Bruno veut faire une surprise à notre capitaine en lui préparant une énorme assiette de son porridge préféré. Voilà ce que Bruno va faire. Eh tiens, c'est tout sauf bête cette idée de notre ami Bruno Lapanade. Tu veux que je te dise? On va lui faire une surprise, nous aussi, au capitaine. Et tu sais comment? Moi, je le sais. Alors, je m'en occupe. Un quart d'heure plus tard, Bruno était dans la cambuse, occupé à préparer son porridge. Et Betty et Bouche Cousue commençaient à préparer leur surprise. Et voilà, un chouette cadeau pour notre pirate. Cette voile est toute déchirée. J'ai décidé qu'on allait la réparer tous les deux avec du fil et une aiguille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Betty Balèze et Bouche Cousue se mirent à coudre et à coudre et à et à se piquer les doigts. Aïe! 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 Jusqu'à ce que finalement... Et voilà, Bouche Cousue, tous les trous sont réparés. Oh, notre pirate va se réjouir! Tandis que Betty et Bouche Cousue faisaient une sieste, Bruno avait lui aussi presque fini. Ah, le porridge de mon bon capitaine est presque terminé. Bruno a envie d'éternuer. Oh, quel éternuement magnifique! Bruno a mis son mouchoir en lambeau en éternuant. Oh, je vais en chercher un autre. Nom d'un porridge bourré de piment. En voilà un beau mouchoir, dites donc. Oh, mais il m'a l'air un peu trop grand. Ah, s'il n'y a que ça, Bruno connaît une solution. Un peu plus tard dans la journée, Pat fut de retour. Moussaillon, comme vous le voyez tous, je suis de retour. Et j'ai accompli mon importante mission du jour. Oui, c'est fantastique, pirate, mais on a une petite surprise pour toi. Oh, c'est vrai? Eh oui. Monsieur Bruno Lapanade a spécialement préparé une énorme assiette de bon porridge pour vous, capitaine. Oh, Bruno, tu es merveilleux. Pirate, Bouche Cousue et moi, on a réparé la voile. Allez, montre-lui, Bouche Cousue. C'est censé être une voile? Oui, Bouche Cousue et moi, on l'a raccommodée. Ça, je te crois, Betty, mais... jette un œil. Pourquoi, pirate? Oh! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait tous ces trous dans la voile, pirate? Bruno avait besoin de mouchoirs, il s'en est coupé quelques-uns. Oh non, c'est pas vrai! Notre voile est complètement fichue maintenant! Comment peux-tu être aussi stupide, Bruno Lapanade? Et dire que Bouche Cousue et moi, on avait une chouette surprise pour Pat le pirate! Oh, voyons, Betty, ce n'est pas si grave que ça! Oh non, c'est vrai!
Mais oui, Betty, je vous ai dit que j'avais une mission importante aujourd'hui et sais-tu ce que c'était? Non! J'étais parti acheter une nouvelle voile. Ta-da! Oh. On peut donc mettre l'ancienne à la poubelle maintenant. Vrai de vrai? Vrai de vrai, Betty. Alors tu peux sécher tes larmes. Tiens, Betty, tu n'as qu'à prendre un mouchoir de Bruno. Bruno en a plein d'avance. Oups. Tout est bien qui finit bien. Et le vaisseau vacillant s'en alla voguer vers de nouvelles aventures. Ohé, Moussaillon.